Naissance de la voile classique, on peut la situer assez facilement, c'est début des années 80. Il y a quelques armateurs absolument passionnés de vieux gréements qui se mettent à restaurer de manière très active des bateaux mythiques. Et je pense notamment et en particulier à une femme, Elisabeth Meyer, qui dans les années 80 a décidé de restaurer un Classe J qui s'appelle Endeavour. Et donc à partir de cette première initiative, d'autres bateaux sont venus sur les plans d'eau classiques. Je pense notamment à la goélette Mariette, restaurée par un passionné italien. Et puis tout de suite après, on a eu début des rassemblements, des regroupements de grands yachts de ce type. Grands et petits d'ailleurs, parce qu'on parle toujours et on est toujours fasciné par les grands yachts. Mais il y a également des petits bateaux superbes, qui permettent effectivement d'égayer les plans d'eau à l'heure actuelle. Alors les voiliers qui ont marqué les grandes régates, il faut commencer par la plus grande des courses de voiliers qui est l'America's Cup. Nous nous trouvons aujourd'hui sur le plan d'eau de Cannes, où se courent effectivement les régates royales Trophée Panerai, et où on a effectivement des représentants de l'America's Cup. On a Shamrock 5, qui a disputé l'America's Cup en 1930 sous le pavillon de Sir Thomas Lipton. Malheureusement, il s'était fait battre par le yacht Defender américain Enterprise. On a également un autre bateau mythique sur ce plan d'eau, qui est le 12 mètres J Kookaburra 3, qui est le bateau qui a perdu l'America's Cup pour les Australiens qui l'avaient conquise en 1983, qu'il a reperdu devant Dennis Conner. Donc ça, c'est les bateaux qui marquent, je dirais, les grandes courses. Mais au-delà de ça, on a des représentants des bateaux des jauges internationales. Et sur ce plan d'eau, on a des 8 mètres GI, on a des 6 mètres GI, qui eux ont disputé également des championnats du monde. On en a quelques dizaines sur ce plan d'eau. Les classes J et les 12 mètres J, on a ici un yacht qui navigue qui s'appelle Manitou, qui était quand même le bateau du président Kennedy. Et Kennedy, étant un passionné de voile, adorait, dès qu'il avait un moment de libre, naviguer à bord de Manitou, qu'il avait équipé d'ailleurs à l'époque de toute l'électronique possible pour être en contact permanent avec la Maison Blanche. On l'appelait la Maison Blanche flottante, ce bateau. Alors le patrimoine maritime est si beau et si attirant, je crois que dans cette logique des beaux bateaux, moi je pense qu'il y a des grands amateurs, comme il y a des petits amateurs de yachts classiques, les armateurs, je pense qu'ils ils fonctionnent dans la discrétion. Ils fonctionnent dans la discrétion parce que d'abord, c'est des travaux de longue haleine. Souvent, le bateau en cours de restauration se transmet à un autre armateur. Ils ont le souci de cette transmission. Je crois qu'il faut revenir et insister beaucoup là-dessus. Et puis, il y a aussi des petits bateaux restaurés par des gens qui se lancent dans d'improbables, restructurations, qui ne cherchent pas à briller, mais qui sont là
pour sauver ces bateaux. Il y a une logique de sauvetage, de défense du patrimoine. C'est un patrimoine qui est confié à ces gens-là et qui est ensuite présenté à la fois pour leur plaisir, bien sûr, mais aussi pour le plaisir des spectateurs. Et je crois que ça, c'est un cadeau magique qui nous est fait lorsqu'on voit tous ces bateaux naviguer sur les plans d'eau. Je pense que c'est peut-être la magie de ces bateaux. Et puis n'oublions pas, je vais revenir sur les G-Class, à l'époque, dans les années 30, ils étaient considérés comme des stars. Dès que dans un port de plaisance, on annonçait l'arrivée d'un G-Class, la foule se précipitait pour assister à l'arrivée des stars. C'est encore vrai aujourd'hui. Alors la régate Panerai, enfin, la série des régates Panerai, le circuit des yachts classiques Panerai est essentiel parce que depuis une dizaine d'années, Panerai s'est investi sur les régates classiques de la Méditerranée et en particulier en Italie, sur la côte et ensuite sur les Baléares et puis même au-delà, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a aussi la Transat classique qui se court tous les deux ans sous les couleurs de Panerai. Je pense que ça, c'est également un soutien nécessaire parce que organiser et regrouper et intéresser des armateurs à venir régater sur des plans d'eau magiques comme celui de Cannes, par exemple, s'il n'y a pas derrière, j'allais dire, un trophée attractif et Panerai sait faire, je pense qu'il n'y a plus d'enjeu. Moi, ce qui m'impressionne, c'est de voir ces passionnés. Alors, outre les armateurs, il y a les équipages qui s'investissent d'une manière fantastique et qui naviguent comme à l'époque, sans palan, sans winch électrique, à la force des bras. Et je pense qu'on a vu deux, trois passages de bouée hier qui étaient absolument magiques. Nous étions dans des vraies régates. Ce n'est pas du tout pour la parade. C'est vraiment de la haute compétition. Et chacun veut gagner, bien sûr.